Vous nous parlez de vos projets, Valérie Lemercier, vous voulez bien? Si vous voulez. Biopic sur Céline Dion. Je suis en train d'écrire un film inspiré, très inspiré, et par la vie de Céline Dion, oui. Ah, et avec vous dans le rôle-titre? Oui, de 5 à 55 ans. Voilà. Quelle performance! Ouais. Et avec un mari qui aurait, par exemple, qui serait un peu rondouillard, qui ferait des chroniques le matin à la radio, rigolote. Oui, oui, oui. Qui pourrait s'appeler Jérôme Commandeur. C'est possible, oui, oui, oui. Qui sera là, René Angélil, Jérôme. Mais c'est une comédie, c'est un biopic. C'est librement inspiré, voilà. Elle s'appellera Aline Dieu, mais pas Céline Dion, voilà. Mais elle sera quand même du Canada. South Pound, Sadko, voilà. Donc elle sera quand même... c'est quand même amusant de parler de tout ça et de son enfant. Moi, je connaissais peu, et grande admiratrice, et on est allé ensemble avec Jérôme la voir cet été à Bercy, mais je connaissais pas sa vie, son enfance, l'enfance de ses parents. C'est un parcours incroyable. Mais il y aura plus de dérision que d'admiration ou... C'est un mélange, c'est pas du tout de la moquerie, je trouve c'est un destin incroyable, l'amour pour René, l'amour de sa mère, enfin c'est surtout ces deux personnes autour d'elle qui sont capitales et qui l'ont faite aussi quelque part et à qui elle a voulu faire plaisir et enfin bon voilà, c'est et puis aussi je suis à un beaucoup plus petit niveau, mais je sais ce que c'est que de prendre ses repas devant un miroir, que de jouer tous les soirs au théâtre des années entières. Enfin voilà, donc la vie d'artiste, la vie, alors là dans ce cas-là, la vie de méga star, parce que c'est pas du tout mon cas, mais et puis son destin et son talent et son, enfin voilà, c'est je suis très émue par son destin, par sa vie, donc c'est pas du tout comment dire, évidemment qu'il y a plein de choses drôles, mais c'est pas me moquer de Céline Dion et des fifs de Céline Dion, pas du tout. Et et avec quelle distance sur le vrai personnage et son vrai répertoire, par exemple ses chansons Il y aura une grande distance là, par contre. C'est-à-dire que vous allez créer des chansons qui ne sont pas dans le répertoire de Céline Dion aujourd'hui. Des reprises, des choses évidemment canadiennes, mais il y a tellement de merveilles dans la musique canadienne et à la manière d'eux, enfin voilà, qu'on peut faire ça comme ça. Merci Valérie Lemercier.